Boutonnet. Nous là, on a continué la bataille là. Et on a continué à essayer de voir si nous pouvons résoudre le problème d'Haïti qui sera impossible aujourd'hui. Mais au moins, nous avons deux mondes qui ont volonté, qui ont capacité de pouvoir expliquer ou poser des questions, parce que même pas qu'on a rien. Mais c'est monsieur, c'est Michel qui a des réponses extrêmement intéressantes. Et je me fais dire là, nous pas qu'à gérer Joudia si nous pas si nous oublions le passé. Parce que l'histoire se répète. Il faut que nous comprenions qui sont que nous avons évité la répétition de l'histoire. Donc, so, on va continuer dans où tu parlais de premier problème. Là. Oui, nous parlons donc au départ. Donc, Jean-Charles, on te dit, si nous continuons sur le point de ça, c'est pas que nous ne comprenons pas, non. Quand nous sortons de la société coloniale, raciste, esclavagiste, nous comprenons très bien. Mais, ça c'est moi qui ajoute, différence là. Et c'est là pour être une différence entre Toussaint Louverture avec M. Savary, oui, M. qui fait 1804. Toussaint est un véhicule homme d'État. Mm-hmm. Il a une vision. Il n'y a pas de programme seulement. Mm-hmm. Ma PC est fonti approfondi, ça me l'a dit pour mon parcours, il dit c'est l'ouverture, il n'y a pas de saline, il n'y a pas de cause ça. Non, la vérité, c'est la vérité. Mais l'ouverture, qui ça a été? Ouais. Le livre est vraiment au pouvoir en 1801. Monsieur, que fond pays, ce n'est pas seulement des pouvoirs politiques, des pouvoirs militaires, c'est qu'il soit fait économie. Mmh. Ouais. Parce que l'idéologie n'est pas vouée, peuple, dans le marché. Non. Rivons-le après 2-3 jours. Si vous commencez à écrire dans le cas, Madame Abdou s'en a fait. Ah, ou pas qu'il y a un bel discours, non? Faut le cas dans le marché. Tout ça s'est rendu compte donc que pour faire économie en Kounia, il y a deux bagues importantes. Qu'on veut qu'on parle, qu'on remet le monde, qu'on parle le monde. C'est chercher le monde qui gagne le savoir et l'avoir. Mm-hmm. Yep. Si on ne peut pas entendre un monde qui a fait économie marché, ça veut dire qu'il y a connaissance dans gérer, dans administrer, dans la technique et qu'il y a l'argent pour venir investir tout ou pas faire payer. Mm-hmm. Donc là tout s'est retrouvé la pays à la mer. Je dis l'emgarde bon côté moi Dessalines, moi Christophe, moi Clairvaux, moi Vernet, moi tout état major maintenant. Dès qu'on fait la guerre, nous pour pouvoir. Mm-hmm. Mais font pays marche à zone d'autres questions. Mm-hmm. Et c'est ça que fait les mettre de côté et c'est là envergure homme d'état, oui. Les mettre de côté toute acrimonie, toute haine qu'il était capable de gagner. Toute misère, toute souffrance qu'il passe en bas colon blanc. Même si on dit oui parce qu'il était esclave domestique, attention, il était contre Calel tout. Bonjour, dimanche, monsieur prend la messe. Les croisés à comble, qui dit, regarde, on est nous habillé, qui parle ça, et puis le Calel bien calé. Parce que c'est le même, ça me semble, monsieur. Parce qu'il était gagné la Bible. Parce qu'il était gagné la Bible dans la main. Il était calé bien calé. Monsieur, pas jamais jeté à ça, il kembe à ça, avec toute sang de la donne. Jour qui vient au pouvoir, vous recherchez qu'on a ça. Il dit, vous connaissez là-dedans. C'est où que tu fais ça. Et bien, next, ça, parce que les gens vergure d'homme d'État, parce que les gens vision, monsieur dit, nos papes qui ont fait économie à marché, ça me paraît les anciens colons, yo, pour me dire, on doit travailler ensemble. Mais fois ça, on ne peut pas être esclave, non. On ne peut pas être employé, payer. Parce que la relation littéraire avec Bayon de la Bayon de la Liberté. Bayon de Liberté, oui. Tout ça n'a pas existé si ce n'était pas pour Bayon. Oui, Bayon qui permettait d'apprendre à lire, écrire, etc. Et ça fait que mon Abdou Gonsoir, oui, c'est parce que je suis un esclave domestique. Mais attention, tu as l'autre monde qui est un esclave domestique qui n'a pas trouvé Bayon, même genre, tout ça. Qui est un peu de haine dans le cœur. Qui n'a pas trouvé même genre. L'air fait massacre. Et le esclave prend révolte là dans la plaine du Nord, etc. 1791. Tout ces parmi moun comme esclave domestique qui sauvait moun, dont la famille de Baron Libertad. Mais t'es un esclave domestique tout, qui était jeune puis bon traitement dans mes colons, qui pas de sauver moun, non, mais qui était coupé tête moun. Donc ce qui veut dire, ça n'a pas mis en avant là, c'est que le monde est un trempe d'homme d'État. Ou pas jouer avec ça.
Monsieur a une vision, donc, monsieur est que pour le mettre, pour le faire colonie un marché, pour le faire passer pays à Namène, c'est l'obligé de faire appel à Monsieur. Parce que si vous avez connaissance là, c'est vous avez moyen économique. Et il a relancé l'économie. Et il a sorti, pas de Toussaint, il a sorti de Bonaparte, qui lui-même pas voulait tant de parler de Toussaint, qui pas voulait tant de parler d'autonomie, pas voulait tant de parler de bagarre, il y a l'autre projet pâle. Et puis il veut écraser tout ça, il veut écraser tout le monde. Mais si Bonaparte, d'ailleurs, il l'a dit lui-même, tu es au bout l'autre gens, parce que tout ça t'est proposé un partenariat, une sorte de Commonwealth. Yeah. Mais 1804 n'a pas été fait. Pays est à prendre l'autre route, il est allé. David, on semi-indépendant de France, oui, mais. Oui, pays autonome. Autonome, donc, mais. Bonaparte fait, ouais. Hein? Et c'est ça que les journées aujourd'hui, il y a des gens qui ont étonné. Qui Jean-Emmanuel Macron, dans 7 avril qui s'est passé là, rend hommage à Toussaint Louverture. Mais il l'a planté, il a même récupéré monsieur tout à fait. Parce que monsieur dit un bagage qui n'est pas loin de la vérité. Monsieur dit, en réalité, maintenant, l'on regarde l'histoire, c'est Toussaint qui a raison. Parce que Toussaint était dans la ligne de l'idéal de la Révolution française, la liberté, l'égalité, c'est Napoléon qui trahit la France, qui trahit la révolution française. Là. Pour réimposer l'esclavage. Comme réactionnaire. Mm-hmm. Il voulait faire l'histoire faire bac. Alors que la révolution française, c'est venu faire l'histoire font avant. Mm-hmm. Donc Toussaint venait au obstacle pour lui et Toussaint obligé de combattre lui. Mais Napoléon, il était arrêté dans l'île côté de l'île. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit. Il dit c'est Pigoué, ouais. En fait. Parce que. Et là, nous chita là dans Atlanta, ouais. Je pense que ça fait partie des 13 de l'espace de l'affaire de Louisiana Purchase. Mm-hmm. Il y avait 13 États. Est-ce que, si ce n'était pas pour l'indépendance haïtienne, est-ce qu'il s'est arrivé, pendant laquelle il a perdu pour essayer de reprendre tout ça, ça ne serait pas resté dans les mains des Français? Un tiers des États-Unis serait. Oui, bien définitivement. Et puis tout le monde a parlé français. C'est échec que vous avez dans ce domaine-là, à cause de Bonaparte, là, qui vient fait que vous avez une position de faiblesse telle que Napoléon vend tout ça était la Louisiane. Américain, pas comme ça, il n'y a pas comme l'histoire. Lui. Ça veut dire que qui j'ai eu qu'à traiter haïtien, j'ai eu traité haïtien, là c'est à cause des Haïtiens qu'un tiers des États-Unis, pas. Un État, un tiers de Louisiane jusqu'au Canada, tout c'est devenu américain à cause des Haïtiens. Pour ça, ils pas contre ça, ils pas voulu apprendre ça aux Timoniens. Ouais, américains, c'est même problème né avec dominicains vis-à-vis d'Haïti. Mm. Premièrement, la révolution haïtienne. Là, on a parlé d'Américains, fait que les hommes d'État américains, la grande classe possédante des États-Unis à l'époque, propriétaires d'esclaves surtout, pourraient obliger à la longue remettre en question tout un système de production, tout un système économique. C'est à cause d'Haïti. Parce que la révolution haïtienne a fait immédiatement. Il y a un danger. Et Thomas Jefferson, qui était président des États-Unis, qui était grand propriétaire d'esclaves, il s'est fait combien de petits tombulats, et il s'est obligé de prendre des dispositions avec les réactionnaires des congrès, de se mettre ensemble après Napoléon Bonaparte pour tout faire Haïti. Mm-hmm. Depuis le ça, Haïti son anomalie, son défi. Ils sont menaces. Mais c'était 5 pays. Pas seulement les États-Unis et la France, mais je crois qu'il y avait l'Espagne. Ils sont réunis. Toutes les grandes puissances esclavagistes de l'époque. En 1805, moins d'un an après, 5 pays rassemblés ensemble aux États-Unis pour combattre. Pour décider comment on va écraser et étouffer ce pays. C'est ça. Et si on n'a pas réussi à écraser, tant qu'on a Talleyrand qui était ministre Napoléon, te dit. N'a fait cuite dans le jus. Et vous pensez que jusqu'à
présent. Donc, ça a marqué toute relation depuis le ça qui parle bien entre Haïti et ses grandes puissances. États-Unis, France, Grande-Bretagne, Allemagne. Mais pendant ce temps, il a fait comme ça, il a fait comme oui, mais pas pour connaître tout comme monde ni comme État. Il a venu acheter dans mon zéro baguette, il a vendu son baguette. L'Angleterre a fait les affaires, l'Angleterre a fait des salines contre la France. Mm-hmm. Parce que le théorie n'a pas le point marché. Maintenant, pas ça seulement pour d'autres raisons. Dites-moi que Napoléon, s'il quittait le gain la province de l'île, il pourrait menacer la Jamaïque. Mais il était des salines d'eau. Parce que théorie que si Napoléon faisait l'île, il a vu une menace pour eux. Mm-hmm. Mais, là, il y a une révolution haïtienne en fait. Et que qu'on a des bateaux avec des drapeaux ici qui paraissent dans des ports de Boston, de New York, on dit hein, afin que nous amus là cap mener bateaux comme mon libre etc. Hein, Jamaïque aux États-Unis sont menaces parce que nous-mêmes sommes esclaves, c'est esclavage nous jeta. Ouais. Donc, les fins en danger. Maintenant, Dominicains lui-même, quel problème? Faut nous bien comprendre que histoire formation. Si vous parlez, les peuples dominicains tout à fait différents des Haïtiens. Dans le territoire Pagnol, côté l'Espagne était dominé, ça a été le journal du diable dominicain, l'esclavage n'a pas de jambes du comme ça. Au contraire, c'est un esclavage qui t'apparentait en forme de domesticité. Ça veut dire qu'on a un homme esclave, c'est un homme qui prend un bœuf avec choualure, l'amène au bois de l'eau, manger zèbre. Pendant ce temps, monsieur a fait un cabiche en mon pied bois. Tandis que là, dans ce domaine, ce côté, hein, c'est l'enfer. Mm-hmm. Donc, ce qui veut dire que le type de relation qui peut gagner entre le monde qui peut venir ici en demeure, avec le monde qui a des ancêtres depuis tes colons, n'est pas foutu le même type de relation hein, avec ça qui peut dominicain demain, avec blanc pangol, blanc français, anglais, pas même mal. Pas de hostilité, ça, pas de haine, ça, pas de violence ça, qui existe dans ce domaine-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est qu'esclave dans ce domaine. Plus de temps pour le vivre, si mon Dieu remet, c'est 10 ans. Après 7 ans, oui. Tellement système dans son mangeur d'hommes. Yeah, oui, c'est-à-dire que là, là-bas, dans la colonie pangol, là, c'est ton la vie, comme tu as dit là, c'est ton économie qui te chita plutôt sur les hâtes, les grandes propriétés, qui fait élevage, etc. Mm, yeah. Donc, pas de violence ça, pas de racisme ça, pas de toute haine ça, toute explosion ça. Donc, au départ, il y a deux façons différentes de voir la vie et les relations internationales. Depuis nos origines, formation économique, pays, ça, formation sociale. L'autre bord, c'est plus descendant Pagnol, descendant quelques rares indiens qui étaient, et puis esclaves noirs qui étaient là-bas. Bon, ici, c'est plus, ça, les Haïti, c'est plus africain, indien qui mourir longtemps, et puis français qui bombe quelques mulattes, etc. Mais, son formation sociale qui sortit non du feu esclavage colonialiste avec racisme. Victor Schœlcher était dans ça. Il nous souvient caractériser ça que les Saint-Domingue qui parle beau Haïti. On pas besoin de trois éléments, on besoin de deux éléments seulement. On besoin d'une photo qui représente un fouet de cache cap calé moun et puis on tige canne. Toute violence la faite pour capable produire sucre. Qui était autant d'importance que le pétrole là, je vous dis à l'époque. Yeah. Donc, ce qu'il faut faire, que vous avez deux peuples qui ont deux sociétés différentes, deux cultures différentes. C'est ça que fait. Le boyer te recevoir l'être, monsieur dominicain, qui te représente une tendance dans la société dominicaine, qui te dit nous voulons faire une avec Haïti. Nous ne pensons pas que l'union avec Colombie, Bolivar, là, bon pour nous, parce que c'est trop loin. Tout. Deuxièmement, nous sommes trop faibles pour nous utiles, peut-être pour nous. Troisièmement, nous sommes mettre l'Espagne. D'ailleurs, pas question de rappeler l'Espagne. Donc, ça qui est plus bon pour nous, c'est mettre ensemble avec Haïti.
Le Jean-Pierre Boye m'a déconseillé Bonnet, qui ça le pensait de ça, qui t'ont dit qu'il t'instruit, qui t'a rempli l'expérience. Bonnet a dit, M. le Président Mabdou Baye, greffe la pape Jean-Brun. C'est deux peuples qui sont dans deux moules différents. Sont têtes chargées par lui maintenant. Dans le premier temps, ils ont pas bien accueilli, c'est vrai. Mais là, on a commencé à mélanger pour nous vivre ensemble, pour aller pile choc. Et ça va tourner un mauvais héritage pour l'histoire demain. Quitter fait gouvernement, yo, et dès le gouvernement, ben, pas entrer, pas le faire, une action. Boye n'a pas suivi le conseil. Boye est allé, sans tirer un coup de fusil. Il a été accueilli en héros. Tédé Yom, il remette Cléville là, magistrat, enfin président provisoire à l'époque de Nunes Caceres, font un discours pour M. Kobsem Dadou là, le salut, on conquérant. Je dis non, c'est pour une conquête. C'est nous-mêmes qui relèvons pour nous faire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? T'es une série de monde qui a dirigé l'élite, qu'on capable de bon, entre guillemets, l'élite dominicaine à l'époque. Moun sa yo met tête yo, c'était les prêtres catholiques espagnols réactionnaires, ultra conservateurs, racistes. Wow. Et c'est moun sa yo qui t'a contrôlé et qui t'a enseigné à l'université de Santo Domingo. Qui chez moun sa te Haïti? Alors c'est tout le monde qui a bonnet et qu'on est qui fait le Boye, non? L'expliquer lui. Mais Boye voulait réaliser l'objectif de s'aligner. Qui te dit que du point de vue diplomatique, Haïti doit pouvoir contrôler l'île entière pour nous capables de garantir la sécurité de la révolution haïtienne. Parce que si nous ne contrôlons pas l'île entière, une puissance étrangère, une puissance qui a débarqué l'autre bois, qui vient menacer nous. Bien sûr. Donc, Boye était sa priorité. Parce que la grande obsession de Boye, et c'est normal, ça ne va pas le commettre, il va faire d'être là. C'est défendre l'indépendance là, à tout prix. Et puis faire yo, le monde entier reconnaître nous enfin, pour être capable de gagner des relations à tout le monde. Et puis c'est dans le bas ça, je fais courir, oui. Pour une formule, la fait d'être là, j'en prends là. Maintenant, monsieur catholique, ça, vous pouvez le faire. N'est-ce que dit, jeune dominicain qui vient là, qui est étudiant, il a dit, au pays que l'Haïti a, son pays de peuple inférieur, c'est en Afrique que sorti. Moun sa c'est diabué, c'est moun yo manger. Moun kap dirige Haïti, c'est des moun, c'est petit la Révolution française. Moun qui coupe tête roi. Pas oublier l'Espagne pays catholique, royaliste. C'est des moun yo qui pas connaît mon Dieu. C'est franc-maçon en pile là derrière. Et pour dire à l'époque, franc-maçon pour l'Église catholique, c'est de dire à mon personne. Donc, en d'autres termes, Boye vient de rapport que paix catholique qui a contrôlé l'université Santo Domingo, la première université du continent, il a fait lavage dans la tête des jeunes dominicains. Et depuis là, ça a anti-haïtianiste commencé à la République dominicaine. Oui? Pour monter la tête des jeunes qui sont les enfants des grandes classes sociales de la République dominicaine contre Haïti. Haïti, c'est pays africain. Haïti, c'est pays sorcier. Vaudou, franc-maçon, moun kap coupé tête moun, jusqu'à ce que toute qualité causée, c'est héritier des révolutionnaires français qui étaient coupé tête à Louis XVI. Donc, moun sa c'est le diamant personne. Ah, moi, il y a des moun qui reprochaient Boye que le fermé universitaire, mais pas de choix, non? Et ça m'a dit là, moi, discuté avec des historiens dominicains qui d'accord avec. Il vient en place, Boye, il t'a fait même mal. Parce qu'on n'a pas qu'à quitter l'université côté où à peine a commencé son tentative d'unité, et puis, moun kap dirige la société, mais ça y a dit. M'a dit un bagage. J'ai envie de dire, l'histoire se répète. Ça y a fait dans l'université avec les jeunes des universités. C'est ça qui se fait depuis plusieurs années aux États-Unis avec les jeunes dans les universités. Pour introduire toute une autre façon de voir les choses. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais juste pour dire que c'est toujours l'œil ou gain. Parce que Mounsayo, les méchants,
ils ont une division aussi. Bien sûr. Ils ne travaillent pas pour demain, ils travaillent pour plus tard. Aujourd'hui. Pour deux après-demain, après-demain. Oui, ils voient plus loin. Il y a plein de graines là. Voilà, tu as des hommes, la famille riche, assez bien, aux États-Unis, qui envoient leurs jeunes dans une université, et puis ils sont en train de créer, ces jeunes-là deviennent contre tous les principes des parents. Et c'est un lavage de cerveau qui se fait à tous les niveaux. Ça, c'est pas, ça se fait... je ne savais pas mais ça montre que c'est une des ruses qui se fait depuis tellement longtemps que voilà que maintenant on est en train de vivre l'impact de ces jeunes à l'université qui sont devenus maintenant des chefs d'industrie, qui sont en train de maintenant de contrôler beaucoup de choses aux États-Unis, qui expliquent la direction de ce pays. Mais on tourne son bac qui est important. Et c'est quand même, avec le temps qui nous reste, il faut nous parler quand même de le futur et le très proche futur d'Haïti. Est-ce que vous pensez que nous arrivons dans une autre période de transition avec une sorte de conseil des sages ou à amener nous à une sorte de transition? Parce que nous pas qu'à organiser l'élection demain avec ce qui se passe, ni après-demain. Qui j'en ouais, solution qui t'a pis bon pour n'arriver d'ici 2026-27 à vraiment gagner une vraie élection et un homme de vision arriver au pouvoir pour mener pays à droit pour la première fois depuis Bakondjian. Claude Guillaume Jongol, ça là, ce sont des questions hautement politiques et historiques dans le sens vraiment très sérieux du mot. Dans le domaine ça, il y a ce qu'on a rien fait, il y a ce qu'on a fait. C'est toute la différence entre ça et les gens qui ont fait idéologie pure, idéologie à l'importance, ou soit dit d'aller à la. Travail que M. Pessao a fait dans l'université Santo Domingo, travail qu'on dit qu'il y a qui fait dans l'université. Bon, ici, c'est ça où est un travail idéologique parce que, quand on parle de l'argent, de ZAM, mais ce sont les idées qui ont toujours mené l'histoire de l'humanité. OK? Donc, Napoléon Bonaparte et nous, en révolution, ce sont des idées qui ont su trouver des baïonnettes pour les défendre. Mais d'abord, les idées. Et que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, il faut ça d'abord. Mais en même temps, tout, idéologie à l'imenon, mais là, on a souterrain politique là, où vient réaliser très vite son café et son pas café. Ouais. Je n'ai jamais dit, en Haïti, qui s'allie? Je ne veux dire, mon cap mener politique pays, c'est pas ici. Mon cap mener politique pays, c'est Washington. Je veux dire, mon ça, pouvoir pas dans la rue en Haïti, pouvoir dans Washington, pouvoir pas jamais dans la rue, pouvoir toujours au côté, quel que soit pays, quel que soit le moment de l'histoire. Là. Qui ça ouvre? Je mets ton situation côté au pied jour. Surtout dans la question insécurité. Je mets ton situation côté empêcher rien l'armée. La police a totalement corrompu, et il a quitté gang envers le pays. C'est pour mettre dans une situation que c'est eux-mêmes qui viennent mettre en l'ordre, qui pour favorable à projet que vous gagnez eux-mêmes, pas pour vous. Donc, son pays qui prend un pèlerin. Maintenant, ou même en tant qu'Haïtien, qui ça pour faire? Sous quoi qu'on a un avenir? Parce que les gens qui disent pays après ils vont le label, oui, le label, mais c'est capable de faire. C'est capable pour vous encore. C'est qu'à juste un petit cas, il y a une loi pour être, ou sous tolérance. Ouais. Mais si vous voulez maintenant gagner une participation dans l'avenir, il faut faire premièrement un travail idéologique, bien sûr, en propageant des idées nouvelles, pour dire si nous voulons un pays. Mais côté tout le monde qui vive, investisseurs étrangers qui viennent et tout, mais des bagages pour gagner des conditions qui pour remplir. Conditions, fort insécurité à Bani. Est-ce que nous-mêmes haïtiens, nous avons moyen en main pour nous résoudre l'insécurité? Je suppose que si nous t'es qu'à faire, nous t'as fait déjà. L'homme mon abdim, ou contre intervention force étrangère, c'est le premier monde qui compte ça. Mais mon problème. Vous avez un problème, vous songez le 400 maos où vous avez pris des gens là, plein de monde, vous avez serré devant place
Augusto Gutiérrez qui est en face à l'aéroport. Un jour, je parle à mon sur place là. Et j'ai eu l'indécence. Les m'a regardé souffrance pour nous, j'ai considéré après ça comme une indécence, comme une insulte. Que m'a demandé un père de famille qui était là sous place là, madame, il y a deux petites filles, deux jeunes filles. Est-ce qu'on pour ou bien contre l'intervention étrangère? J'ai été le gardien. Comment ça, les mon main? J'ai dit beaucoup de gens qui sont capables de poser des questions ça. C'est parce que le gang n'a pas qu'on frappe porte la carrière une heure du matin pour la monter sous votre madame. Yeah. Et ça faut à l'aise pour venir poser mon question comme ça. Pas jamais poser mes encore. Ouh, ça, tu as, ça t'a... Mais écoute, c'est ça, les principes qu'on croit là-dedans, frapper tête avec la réalité que devons là. Tu as pris une gifle ce jour-là. C'était une gifle, mais pourquoi? C'est à ce moment-là que j'ai définitivement réalisé que on nous a piégés. Mm. Ça veut dire qu'on met tout dans une situation pour faire valer le principe qu'on croit là-dedans et pour dire, bon, bataille que m'a mené, m'obliger à faire un effort de réflexion pour me dire, est-ce que je ne suis pas obligé à le mener d'une autre manière? Mm. C'est-à-dire, bon, très bien, force que m'a payé à créer la police nationale a totalement corrompu, il n'y a gang tout d'ailleurs. Mm. L'armée d'Haïti n'existe pas. Donc, il y a mené un moment, côté, il y a serré toi, côté, puis il dit, bon, je vais venir délivrer. Mais aucun projet pas, hein? Et pas, mais à venir délivrer, non? Il a venir nettoyer le pays, il peut faire ça, vous voulez. Mm-hmm. Maintenant, il ne faut pas laisser mourir, malgré tout, la flamme du patriotisme. Il faut l'entretenir par des propositions. Propositions, c'est qui ça? Quel que soit le pays, je suis d'accord. Si le problème de sécurité à résoudre, c'est pour faire quoi? Parce que ce n'est pas le tout que pas un bandit encore. Les films pas un bandit encore, ce qu'on va le faire. Mon abgangou. Pour ceux, il faut que Haïti dit bon, nous t'es perdu en bataille, mais nous pas perdu la guerre. Faut nous récupérer le pays avec des idées nouvelles qui je nous ouais Haïti. Faut nous parler à peuple, nous, que la diaspora, que le dehors. Ok, blanc, mettez là, les piégés, les vignes, les fait force, les vignes, bon, bah, qu'on est, débarrasser le pays à des gangs, etc. Mais faut nous venir à des idées nouvelles. Parce que blanc pas qu'à gagner des seulement, mais c'est autre. L'idée nouvelle là, c'est qui ça? Il faut, nous disons au monde ça, quel que soit, l'histoire montre ça. Il y a un peuple qui voulait changer les conditions de la ville, les organiser pour le prendre pouvoir en abeillant. Mais attention, on ne peut pas le faire à pouvoir. Il faut résoudre le problème de sécurité en net, il faut qu'on fait cadastre, il faut qu'on fait recensement, il faut qu'on fait reboisement. Faut qu'on mette en limite l'explosion démographique là. Parce qu'Haïti son bout de terre. On va pas continuer à mettre les gens là-dedans comme ça. Même si on a des gens qui ont fait des gens qui ont fait chaque jour. Tout. Oui, mais. Maintenant, faut qu'on gagne donc une vision avec un programme au service de vision. Et son grande force qu'on gagne sociale qui peut résoudre le problème ça, pour mobiliser la question cadastre. Mobiliser la question sécurité, mobiliser la question limitation de naissance, mobiliser la question de reboisement, c'est la jeunesse. Ça reste la seule ressource d'Haïti. Et la diaspora? Diaspora, lui-même, il y a un goût à pas parler que le capoté. Faut être réaliste, je ne sais pas comment le monde qui vient en Amérique du Nord, qui vient au Canada, qui s'est quoi l'aller, qui font un paquet de sacrifices, qui fait ville là, pour me dire quitter tout ça, venir à Haïti. Non. Il faut proposer l'autre bagaille. Il faut créer des conditions pour le cas venir investir. Il faut créer des conditions que grand pile là, dans le Kounia là, qui atteignent la retraite en Amérique du Nord, mais qui a 65, 68 ans, encore qui compte énergie, puis qui vient travailler en Haïti. Mm-hmm. Moi, par exemple, dans mon domaine, au Québec, à un certain moment, il y a 5000 enseignants, depuis la maternelle jusqu'au doctorat à l'université, qui m'ont fait la retraite. Bon, 5000 personnes, vous faites des contrats avec eux, pour venir travailler en Haïti, pour venir enseigner, dans un pays qui a un problème d'instruction publique aussi profond qu'en Haïti. Un pays qui a une bonne saison toute l'année, qui a une sécurité, où il fait bon vivre, vous ne pouvez pas venir. Oh.
Premier monde qui a fini ça, c'est lui-même. Bien sûr. En 1984, au niveau des universités en Amérique du Nord, il y avait déjà 6 haïtiens disponibles. Des gens qui étaient enseignés à l'université au plus haut niveau. Mm-hmm. Alors, c'est venu pas d'avenir en Haïti, dans le pays, papa et maman. Ouais. Parce que si nous prenons, non seulement que Haïti a une perte de pieds-bois, de ressources naturelles, toutes sortes de choses, mais c'est ce que nous appelons le brain drain. Nous avons perdu les cerveaux. Le drainage du cerveau. Exactement. Alors, tu es c'est vous qui, historien, mais ça, nous sommes qu'à songer, bien sûr, sur Papa Doc. Parce que je sais que à l'arrivée de Papa Doc, on paquette médecins, monde préparé. Aller en Afrique, au Québec, tout côté. Exactement. Après ça. Ça a continué. La veine est restée ouverte. Oui, mais il y a des certains points. Et un autre désastre que je me songeais qu'une fois, et le Canada offrit à ceux qui réussissent le bac là, c'est une sorte de 5000 visas pour Haïtiens. C'est-à-dire que le Canada qui supposait aider où? Non, le Canada n'a pas fait donner rien. Le Canada, c'est un premier pays qui exploite la crise haïtienne. Qui prend Ma boy, c'est très simple. Et vous connaissez ça, vous connaissez. Nous sommes en 2005, nous avons fait une conférence dans la chambre haïtienne-américaine. Bon, nous avons dit la vérité. Mais mon cher, il y avait un diplomate canadien qui était là à l'époque, qui était à l'ambassade en Haïti. Je dis, mais Michel, attendez. Tout ce qu'on dit là, je d'accord avec en tant qu'haïtien, si je suis en place. Tout ce qu'on propose est très juste. Mais c'est une grande question. Quand vous avez là, pour faire tout ce qu'on dit là, ou a besoin. Or, 85% des jeunes haïtiens formés universitaires, ils sont à l'étranger. Et principalement chez moi. Et que besoin est haut. Sinon, pas d'accueillir. Donc, qui sont pour le faire? Ou a proposé des meilleures conditions de travail que moi-même. Mais ou a dit, pour y retourner. Ou pas pour donner, si vous voulez. Soit fait. Donc, en d'autres termes, se dit, la crise haïtienne fait mon affaire. Ils ont piégé. Voilà. Et c'est à qui bénéfice le crime? À qui profite le crime? Exactement. Et toute l'histoire d'Haïti, c'est toujours il y a des profiteurs qui ont instigé des crimes sur Haïti. Mais cependant, moi, mon réponse pour eux. Réponse là, c'est Sam Tabdou depuis notre début. Il faut élargir le concept d'haïtien. Qui est le haïtien? C'est le monde qui remet Haïti, qui voulait bien le peuple haïtien. Quand il y a si moi je dis, dans un projet comme ça, besoin de tel cadre, que le monde norvégien, que le monde nigérien, que le monde sud-africain, que le monde singapourien, de pouvoir travailler pour Haïti, on va deviner. Il n'y a pas d'italien, moi c'est italien. Pas de problème. Ou recevoir moi. De pouvoir travailler pour Haïti, ou travailler pour Haïti. Point final. Yeah. Et arrivons un certain temps, ou pas ici même. Non, yeah, of course. Parce que on a ici son monde qui veut travailler pour Haïti, qui travaille pour Haïti. Point. Comme ça, les Polonais et les Allemands sous voilà. Des salines. On retourne. C'est ça des salines de fer. Yeah. Bon, je trouve qu'on a nous touchons pile sujet. Oui. Des sujets qui ont touché d'aujourd'hui, mais qui a une base d'histoire. Je trouve ça très intéressant. Mais comment c'est important pour nous ajouter, Claude? C'est que, il y a des gens qui ont dit, bon, je suis d'accord, je propose CADAS, je propose reboisement, je propose recensement, parce qu'on perd de famille qui connaît que, pour le connaître qui quantité de combien de frontières dans la folle, qu'on est qui quantité de bouchée pour nous. Oui, c'est normal. Donc, pas de personne qui a dit, je ne veux pas dire, mais qui quantité de monde qui est sous tête d'Haïti. Et bien, vrai, ça n'existe pas. Entre 10 et 15 millions. Bon. Peut-être. Mais ça fait une grosse différence, 5 millions. Oui. Maintenant, ça m'a dit donc mobiliser jeunesse pour gagner. Pour gagner des gens qui parlent d'eau, ou pas parler de route, ou pas parler de qui agriculture pour le faire. Mais, problème de base, ça, il faut résoudre avant. Si on parle de problème sécuritaire, on parle de problème propriétaire, on parle de problème l'identification citoyenne. Je ne veux pas dire, pour moi, ici, quand je vis, bombardé aux polices. Ou mais les IOA. Qui ça a même qui pouvait les haïtien? Bon, ça a même qui même pouvait qu'elle existait comme monde.
Wannick font y parler avec un homme que je respecte beaucoup, Wilfried Bertrand, qui est directeur des archives nationales. Mais là, vous faites baba ou volume problème qu'il gagne depuis plus que 30 ans d'archives là. Que pour jamais aucun gouvernement qui contrôle l'État, qui n'a souci de résoudre les problèmes. Alors que l'archive au pays, c'est Baptiste PIA, c'est acte de naissance PIA. Si par exemple, bon, mettons que tu as sorti les IWA, on dit que c'est Claude Moncousso. Bon, ça prouve que c'est Claude Moncousso. Ça dit que c'est bon fou, non? Faut me taquer aller dans l'archive là pour moi si effectivement ou dit mon fait telle date, tel côté, est-ce que vraiment vrai? C'est vrai. Parce que si je pas pour ça, comment je vais faire politique sécurité sociale? Et ce sont des papiers. C'est même, voilà. C'est même pas électronique. Il n'y a pas de photo non plus. Bon, à l'époque, pour me vérifier ça, M. Bertrand t'a dit, je suis allé, époque ça porte qu'on ait tout bandit ici. Je suis allé dans un dépôt, enfin, dans un dépôt archive qui était gagné bon, dans l'entrée. Bel Air. Et l'entrée, c'est ça, oui. Donne ça à côté de Massufé. Mais les m'a gardé les archives, je mettre là. C'est des bagages qui montent une sous l'autre dans les dépôts, là, puis ils tombent sous yo. C'est des bagages aberrants. Vous voyez, avec des naissances, mon avec l'amour, mon avec mariage, mon bayo là, sous marche escalier. Mais si tu n'as pas ça dans un pays, intervient beaucoup de l'immense de travail. Sous qui base? Mais on tient à lui mettre, tout va être bon. De l'eau a tombé sous l'eau, on parle de l'eau. De l'eau a filtré sous l'eau. Donc, tout autant pas résoudre le problème de base. Ça va prendre des années. Mais c'est ça. Il faut commencer. C'est ça qui est la vision. Yeah. C'est ça qui est la vision. Et c'est ça qui est le travail d'un État. Parce que lors d'une politique d'État, politique en gouvernement, dit non? Ou définir une politique qui chita sous 40, 50 ans, même j'aurais ça fait ici, quel que soit le parti qui prend pour qui prend contrôle du pouvoir, la suivre à la lettre. Nous, depuis des années, depuis que je connais Haïti, majorité, je ne pas dire ça pour Maniga, parce que je ne pense pas que c'est le cas du tout, mais je pense que toute l'autre, leur vision, c'est poche. Qui j'en yoka mette plus poche comme non poche. Bon, moi je sais pas. Bah oui, Youn qui a une autre attitude. Peut-être, yoka a une petite attitude, une motivation au début, mais là, yoka que bah est tellement difficile que lui dit, bon, you know what, je ne peux pas résoudre le problème, donc, so, qui a une sortie bah ça avec comme non poche, moi. C'est ça, moi. Bon, le problème qui gagne, c'est que ce monde, ça va parler là, ils n'ont jamais été, premièrement, des hommes politiques, voire des hommes d'État. Alors, dire homme politique, c'est un monde au moins qui a un minimum de soucis de qui j'en l'a organisé, côté la vivre là, pour le monde capable de vivre. Beaucoup même, oui, il y a une dimension de l'État, non? Beaucoup même, oui, il y a une dimension vision pour le pays. Moi, j'aime bien ça, depuis longtemps. Les Simaniga, sans aucun doute, a été une exception. Bon, il y a des gens qui disent que c'était davantage un professeur. Idéologue. L'homme qui travaille avec monsieur, il dit, parce que je me dis, je viens de sympathiser avec monsieur parce que je fais tant pis le travail, et puis qu'on a mangé la caille, avec juste tous les trois, sa femme et lui. Et puis, juste on dit, bah, il dit, il compte boire cola, il prend boire cola couronne. Et puis madame, il dit, chérie, tu sais que tu ne peux pas boire ces choses-là. Et puis le professeur dit, mais je supporte le. Je supporte la production nationale. Mais oui. L'idée, c'est que pour lui-même, vision monsieur, il voulait rentrer dans l'histoire d'Haïti comme un grand président. Pas comme un homme riche. Il n'est pas vraiment rentré dans le pour faire cob. Motivation monsieur, c'est que être dans l'histoire d'Haïti et d'être connu comme un grand président, quelqu'un qui a fait du bien, ou même pour historien, ou pas gagner une motivation comme ça. Pour que. Mon cher, jouer un rôle pour mener Haïti, pour Yoka a dit que Michel Souka et son équipe, ils ont vraiment changé la direction d'Haïti, ça n'est pas intéressant? Premier bagage qui est important, c'est un monde qui te dit ça, que je me suis rencontré en Amérique centrale, et pour que l'Amérique centrale n'a pas un pile problème, Nicaragua, Salvador, etc. Je lui ai dit, vous connaissez, la première bataille à livrer, c'est d'occuper l'espace entre les deux oreilles.
Ça veut dire d'abord convaincre moun yo que yo ka moun. Et qui ça qu'a fait au monde tout bon? C'est leur vision, leur projet que quoi la donne. Bon Michel, ce travail nous fait aujourd'hui, ça nous fait aujourd'hui, tout le monde qui a regardé, si vous pas croyez que vous avez une vision, une idée, eh bien, vous pas mériter les têtes haïtiens. J'ai une question pour vous. Et dernière question, parce que nous arrivons vraiment dans. Et vous pensez à faire ça encore. Il faut nous faire ça encore. Pas de problème. Parce que pour moi, c'était une conversation passionnante. Vous dites que le pouvoir, c'est Washington. Nous connaissons que le président américain Kounia, là, c'est un zombie. C'est une façade, c'est un qui le lever le matin, va qu'on compte bien. So, là, on nous dit que pouvoir n'est Washington, ça veut dire que Clinton toujours contrôle Haïti, la famille Clinton. Bon, ça veut dire qu'il y a des secteurs politiques aux États-Unis, certainement, qui gagnent plus en Haïti, il n'y en a pas de doute. Et c'est sans aucun doute une là d'ailleurs, parce qu'il était toujours joué dans la politique haïtienne, là, depuis 1994 avec Aristide. Est-ce qu'il y a plus de terrain dans les mains Clinton que l'autre monde, nous entendez ça? Bon, qui a pile causé, qui a pile parole, mais tant qu'on me dit, moi, je demeure persuadé, bon, c'est une famille politique, il y a des intérêts un peu partout, et il y a des mounis, des contacts, des pions un peu partout, donc pour moi-même, oui, il y a une influence toujours. Et l'uranium que vous prenez chaque soir, chaque soir pendant le retourner, condition pour amener Aristide, c'est qu'il y a rentré avec tout gros camion, ça, au sens j'ai tout. Et puis chaque soir, là, non, comment les gens s'arrêtent, les titaniens, et puis il a ramassé. Ça me capable, Dieu, Claude. Depuis que tu es débarqué tout le pays, mais Aristide tournait jusqu'à présent, il y a un pile côté que je suis allé dans le pays. Je m'attendais des gens qui ont dit deux bagages. Premièrement, je t'ai vraiment des engins lourds de la main américaine qui t'a brouté les terres. Ça, pas de monde qui a nié ça. Ouais, des témoins. Deuxième bagage, qu'on tendait tout. Et ça, m'a dit précisément à Chapmel, et m'a cité le nom du défunt Claudie Crane, à l'époque qui était magistrat de Chapmel. Ils ont essayé, dans certains points du territoire, par contre, j'ai réussi à faire, entreposer des déchets. Qui qualité déchets? Je ne sais pas. Même qu'on est, qu'en 1995, Claudie Crane, magistrat de Jacmel, était opposé à débarquement d'un bateau américain, malgré pression que l'ambassade américaine, à savoir à l'époque l'ambassadeur William Lessessouin, avec l'appui d'Aristide, t'es fait sous Claudie Crane. Claudie Crane a tenu fermement, bateau a obligé à aller. Maintenant, est-ce que là, le débat qu'on l'autre côté dans le pays, je ne sais pas. Sûrement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a courage Claudie Crane. Non. Et mais, on peut aller plus loin. Ça n'a pas dit que l'Ingrid a un café. C'est rien. Là, on connaît que Mounsao facilitait un réseau de pédophiles à travers les soi-disant orphelinats, côté tout un réseau de pédophiles étrangers qu'on vient en Haïti et puis violer des enfants haïtiens, tout ça, ça fait partie, et protégé par l'administration, surtout quand Hillary était secrétaire d'État, qui a protégé plusieurs mondes. Jusqu'à présent, il y a des gens qui protégeaient de ça. Donc, si vous avez fait ça, parce que quand on touche un enfant, on est le diable. Pas grand est de plus abominable que ça. Exactement. So, si tu es capable de faire ça, toutes les autres choses que l'on dit, c'est rien. C'est pour moi. So, tout autant que. Parce que si Hillary. Surtout Hillary, parce que Bill, je crois moins en lui, malgré qu'il a été l'outil de sa fille, Hillary, c'est vraiment le diable. Pas tous les deux. Pour moi, c'est eux, et tout autant qu'il y a les démocrates au pouvoir ici, ils ont pour moi, Haïti ne peut pas changer tout autant qu'il y a un changement. Et si c'est la droite qui prend le pouvoir, il perdra. Elle pourra même, je ne sais pas si elle finira en prison, elle n'aura plus le pouvoir. Ça, c'est mon opinion. On n'est pas obligé d'être d'accord même. Bon, mais non, moi-même, ça me d'abord dire, c'est que là où parle de droite aux États-Unis, il n'y a jamais eu de gauche au pouvoir aux États-Unis. Gagner toujours en lutte
entre une droite dite libérale avec une droite conservatrice ou ultra-conservatrice. Mm-hmm. Mais c'est toujours droite. Parce que nous n'avons pas les laïcs, pas représenter à aucun moment de leur vie aucune valeur de sa l'histoire ou tenue comme des valeurs de la gauche. Particulièrement le respect de l'être humain. Jamais. Donc, effectivement, depuis la période d'élection 2016, face à Donald Trump, il y a un pile d'accusation de la sorte qui était sortie. Naturellement, à l'époque, l'homme avec le recul, avec un esprit scientifique, on était dit tout bon. Nous sommes en bataille électorale et surtout nos pays aux États-Unis où il y a tellement d'enjeux. Et bien souvent, on lui a lancé des accusations que faut toujours prendre distance avec. Bon. Mais, il a... mais on sait ce que les Clinton ont fait à Haïti quand même. Mais maintenant, l'homme lui-même m'a vécu en Haïti. Mm-hmm. Et que moi, qui s'est passé pendant la période tremblementaire? Mm-hmm. Moi, qui s'est passé pendant la période Matéli? Mm-hmm. Et moi, ça a passé. Quand il y a, eh bien, tu te dis que, mon cher, je suis en 2016 là, c'est pas trop loin de la vérité. Non. Parce que c'est. Et moi qui a toujours. C'est des bagages abominables. Et moi-même, toujours voté démocrate jusqu'à que c'est lui-même qui vienne président. Qui vienne candidat. Il dit, oh, I can't do that. Je ne fait ça. Comment ça le fait? Anyway, ça c'est une autre discussion pour un autre jour. Mais de toute façon, est-ce que le public a regardé, est-ce que il y a un moyen qu'il y a peut-être rentrer en contact ou supporter ou inviter ou qui ça t'a aimé que le public a, you know, c'est bien content que la peut-être apprécié la conversation nous gagne, mais il faut nous arriver à faire un call to action. Pas seulement attendre information ça, mais ou même c'est haïtien, si Haïti pas concerné, changez télévision, gardez l'autre bagage. Mais si vous concernez pas Haïti, il faut que vous disponiez pour aider quelque part. Est-ce que vous pensez que une première bagage, ça m'a paru surtout à mon diaspora. Et ce matin encore, avant l'interview, ça, je parlais de ça avec un ami à Atlanta. Gagnons le comportement que nous gagnons, nous faisons pour nous faire un pile effort pour nous changer. Afin que toi, il s'agit de ton côté et puis on ne peut pas entendre. Nous ne sommes pas capables de chiter aux États-Unis depuis je ne sais plus maintenant, deux ou trois générations. Et que Haïtien aux États-Unis, pour qu'on soit jamais capable de constituer une force politique et une force politique en permanence comme force de pression pour que politiciens américains suspendent passer nous dans Tintin, surtout les pas élection que Biden a vu mettre à genoux devant Miami, et puis il est à Washington, il s'en fout éperdument. Vous comprenez? Et nous ne sommes pas capables tout. Quel que soit politicien qui vient, quel républicain, quel démocrate ou autre, qui nous sollicite vote, nous, si nous te représentons force, ce n'est pas seulement une force qui nous a voté, non, mais une force qui organise. Comme les Cubains. Quoi? Comme les Cubains à Miami. Bon, Cubains, ils ont un avantage, c'est comme le gouvernement communiste américain tape toujours build up. Mais nous-mêmes, ils ont un avantage, c'est qu'ils contrôlent Haïti. Mais Cubains ne contrôlent pas. Mais c'est pour nous faire comprendre. Ce n'est pas en Russie, ce n'est pas en Chine, ce sont des diaspora haïtienne aux États-Unis. Donc, nous n'avons aucun intérêt que Haïti ait un problème avec les Américains. Mais il faut que les Américains apprennent à respecter. Il faut que les Américains apprennent tout que dans la salle, il faut que Haïti ait joué une parole. Ce n'est pas si tu as mis des raquettes comme président, comme premier ministre aux États-Unis ou en Haïti. Il faut que vous soyez capable d'accepter que des gens valables qui dirigent Haïti. Et que pour capable chita ou font négociation valable entre pour Haïti et les États-Unis. C'est ça le pour accepter. Mais pour accepter, il faut que monde dans diaspora organise pour faire sentir poids. Est-ce que vous entendez? Vous entendez? C'est pas seulement oui. Les politiciens américains venir dire mon cher candidat à la présidence, je serai le champion d'Haïti ou bien venir à genoux devant au fin ballon vote et puis le fin oublie. Parce qu'on connaît le gabliot. Pourquoi ça le gabliot? Parce qu'on peut organiser. On ne peut pas faire rien. On ne peut pas faire rien. Vous comprenez? Et il y a un monde qui me parle avec elle.
un Américain d'origine haïtienne qui est au niveau de la politique américaine ici, qui te dit, mais qu'on qui problème nous même haïtiens tout, c'est que non seulement nous ne pouvons pas entendre, mais nous comprenons que politique ça fait le dimanche matin seulement. Ou le dimanche après-midi. Il faut que, pour organiser nous, il faut que nous décrétons permanence. Ça veut dire que des gens, faut nous payer pour monter l'organisation ça pour nous au niveau de la diaspora. Payer avec cotisation que nous faisons. Mais pour nous faire cotisation, faut nous croire dans le projet A. Ce n'est pas seulement parler en pile. Faut nous croire dans le projet A. Parce que la politique n'a pas fait de dimanche après-midi pendant des temps. Non, mais ça a changé. Parce que depuis 2 ans, l'économie tellement vint du gasoline monte tellement. L'économie est tellement vint du là où on a acheté au magasin avec 50 dollars. Avec 50 dollars, on n'a pas acheté. On a mangé pendant une semaine. Quand il y a là, c'est 150 dollars au besoin pour manger pour une semaine. Donc, quand ça rentre là et ça frappe ici, et quand il y a là où il y a un problème, on commence à réaliser que j'en ai voté qu'a affecté. Michel. Merci en pile. En tout cas, merci en pile, Claude. Et je t'ai souhaité que nous n'avons pas un bon moment. Et nous promettons que si vous avez des questions, vous êtes capable toujours vous reposer. Vous êtes capable de vous reposer au moins. Et puis, nous faisons l'autre raconte encore. Je mettre le téléphone moi, avec email. Vous voyez, et puis nous avons été en contact. Nous avons été en contact et pour vous faire mieux. Parce que Michel, il faut vous tourner plus souvent. Ça veut dire que ce soit Atlanta. Moi-même, qui t'aime d'où. Moi, Vini, l'inviter mon côté. Ce n'est pas mon créé événement. Ça. Ça veut dire qu'autant de m'a fait conférence Miami, Fort Lauderdale, New York, etc. etc. qu'on est que son groupe d'Haïtiens qui invite qui organise et qui ont un intérêt dans le fait venir pour nous parler ensemble et puis le samedi. Ouais. Parce que si pas intérêt, par quoi bon venir? Exactement. Donc voilà. Donc. Wow. Là où là, il y a moins de chances de kidnapper qu'en Haïti. Bon. Son gars de m'a dit que chaque pays a un danger. Oui, bien sûr. Haïti, son pays que moi choisi de vivre là-dedans. Parce que je pensais que si ce n'est pas nous qui décidons pour nous changer pays, le pays n'a pas changé. Autant de diaspora, là, nous avons un gouvernement organisé, m'a compté sur tout, même si je perdu tout auditeur, moi, dans la diaspora, majorité en pile là-dedans, en voici. Nous avons tourné avec, mais là nous avons vraiment, je vous dis, stabilité, sécurité, etc. Pour nous fermer, on va fermer l'émission. Michel, c'était vraiment formidable. J'espère que tout le monde est content pour être deux belles garçons, parler de tout et de rien sous Haïti TV, Mosaïque. Nous ne pas parler de rien, nous parler d'Haïti. Ah, on connaît, mais c'est juste un petit bague, m'a dit, parce okay. que on a parlé de beaucoup de choses importantes, c'est sûr. Mais il faut que le monde réagisse, pas seulement attendez, pensez, what can I do? You know, c'est un petit peu comme John Kennedy said. Il disait en anglais. Pas mal de sa pays au café, ou mal de qui soit café, parce qu'on paye ici, ou c'est de l'eau, c'est puis bois. Exactement. Il n'y a pas mal de sa pays au café pour vous, mal de qui soit même au café pour payer. Diaspora, organisez-nous, créez force de pression, nous. Choisis des gens au niveau tout côté de l'agglomération haïtienne pour travailler en permanence sur le dossier. Cotiser pour payer les gens pour qu'ils fassent ça seulement, parce que les gens qui ont des petits, des mari, il faut nous payer pour qu'ils fassent. Il faut nous décréter en permanence. C'est ça qu'on conseille les gens, c'est permanent. Un lobby. Et puis, quand nous là, nous créons une force de pression. Et puis, nous avons besoin de gens en Haïti, des gens sérieux pour nous collaborer avec eux. Vous tendez, à bientôt. C'est comme ça pour battre à la manée. Merci en pile. Merci.